time? Is it flat line? Are you really never ever gonna be mine? Where is the sunshine? This is a love crime. Am I ever gonna get you out of my mind? Is this the last time? Are we out of time? Is this the right time? Is it flat line? Are you really never ever gonna be mine? Where is the sunshine? This is a love crime. Am I ever gonna get you out of my mind? Is this the last time? Are we out of time? Is this the right time? Parce qu'en fait, c'est un véritable concept. Je me demande d'ailleurs pourquoi l'idée n'a pas été développée davantage. Le fait de recréer un décor tellement authentique qu'on a vraiment l'impression d'être dans le pays originaire du décor. Et voilà, c'est Miss Page, Valia Page, qui est arrivée. Elle est arrivée à l'heure. 7 minutes de retard. Sumimasen, comment dire en japonais? Oui. Tu savais que c'était un restaurant japonais ici? Non. Tu savais pas? Non, c'est très bien décoré, ouais. On se croirait à Tokyo. Ouais. Ah, tu vois? Ah, surtout, ici. Je reconnais hein, les échafaudages, la tuyauterie. Ah ouais? Oui, le style tokyoïte. T'as fait ton show? Pas encore, c'est toi qui vas peut-être me conseiller. Ah, d'accord. Parce que moi, j'y connais rien. Hein. Ouais. Karai, dip, karai, c'est épicé. Et dip, c'est dip comme en anglais. Oui, comme les chicken dip. Oui, dip. Ouais, c'est ça. Ouais. Dip. D'accord, voilà. Ok. Voilà. Admirer. Ça... Admire the beautiful dishes. Mite kudasai, ne. Quoi? Kire na tabemono desu ne. It's beautifully presented. C'est très bien présenté. Qu'est-ce que tu me disais, Kamashi ça... Alors, Kanashi, ça veut dire triste et seul. Donc, c'est sans doute un amour malheureux qu'on entend là, la chanson, dans le restaurant. Kanashi in Japanese means sad and lonely. And this is what the song is about. The song that's on right now. Kanashi, tu as sabishi tema, ne? Ima no uta o. J'ai l'impression d'être dans un film de Wong Kar-wai. Oui, sauf que lui est taïwanais. Il est taïwanais, mais bon, c'est... Il y a une ambiance, quelque chose comme voilà, ça. Absolument, les décors. Ouais. Les décors de In the Mood for Love, 2046. Ouais. Je disais à propos du sésame. J'aime beaucoup le sésame parce qu'il se marie aussi bien avec les plats salés que les salés, les plats sucrés. Ouais. Voilà. Sesame is a magnificent ingredient because it goes well with the salty dishes and sweet dishes. Il y a des algues. Les algues, généralement, s'appellent soit nori ou wakame. Et quand les algues sont noires, c'est hijiki. Ginger, gingembre. Non, du radis. Ah, du radis, oui, du radis. Radish. Radish. En anglais, radish. It's good. Mm-hmm. Slightly sweet. Mais je préfère quand même le gingembre. Je peux en goûter. Ouais, vas-y, je t'en prie. Hein. Non, mais donc tu regrettes pas d'avoir accepté mon invitation, Valia? Oui, non, mais je regrette jamais aucune de tes invitations depuis 1997. Oh là là, arrête, là 2017, tu m'as... 20e anniversaire. Attends, j'ai pris un coup de vieux là. Duo. J'ai pris un coup de vieux là. Hein. Moi aussi. T'es pas obligé de livrer ces détails. Tu n'étais qu'adolescent. Ouais, c'est vrai. Et moi, petite fille. Voilà. Comme ça, on a rajeuni la peau. Elle est diplomate. Hein. Voilà, c'est ça. C'est délicieux. Ce sésame noir est exceptionnel. C'est bon? Ah, il est bon le pauvre. Mais moi, je suis plutôt végétarien. Donc, enfin, c'est du poulet, hein, je pense. Non. Je préfère les pâtes, hein, finalement. D'accord.
Pourquoi cette couleur noire là? C'est du sésame noir. Ah, c'est du sésame noir, aussi d'accord. Du sésame blanc, mais d'accord. Ça dépend, il y a différentes variétés de sésame. Comment on dit baguette en japonais? Hashi. Hashi. Ouais. Hashi. Bonjour. Oshine. Cadré, il est au milieu. Ouais. Et voici Tolisso Bolodon, on dégage. Ah, merci beaucoup. Merci. Tu as fait même le chien apprécie. Voici notre riz avec du piment doux et du poulet mariné. Yes, our rice. With slightly spicy and with a bit of chicken. Ça, c'est du poulet, ça? Je pense, oui. Je vais tout de suite goûter et je vais dire ce que c'est. Oui. C'est le poulet? Tu disais, c'est un vrai... Donc là, on mange du vrai riz japonais. Le grain de riz japonais, c'est vraiment à l'opposé du basmati, du riz basmati. Parce que le riz basmati est de forme oblongue, allongée. Alors que là, on voit bien que le grain de riz japonais est plus arrondi. Il est moelleux, un peu collant. Du vrai riz japonais gluant. Voilà. This is the real typical Japanese rice. It's the opposite of basmati Indian rice, because the shape of the grain of rice is rounded, whereas basmati is like a long shape. Typical no Nihon no gohan ne, Indo no gohan wa betsu no katachi desu ne, motto osoi desu. Kedo, par contre, moi j'aimerais bien avoir une cuillère. Marui desu ne. J'aimerais bien avoir une cuillère. Je no gohan wa. En général, quand tu demandes une cuillère, c'est que c'est bon. C'est que tu veux en manger plus. Oui. Voilà. C'est bon signe. Cyril has just said that it's always a good sign when you know a client asks for a spoon. That means that you're really enjoying the dish you are eating. Parce que tu es frustré de ne prendre que des petites quantités à chaque fois, tu vois. It's frustrating to only eat, you know, a little bit of food at once with the chopsticks. So that's why Cyril wanted a spoon to eat more food at once. À votre santé, merci de nous suivre et de nous accompagner dans ce périple gustatif. Voilà, exactement. Thank you for following us. Arigato, Anthony. C'est le même CD à la maison, c'est du koto et du shamisen. Quoi? C'est du koto et du shamisen. La musique que nous entendons maintenant, c'est de la musique traditionnelle japonaise ancienne, avec du... Les instruments, c'est soit le koto, soit le shamisen, ce qu'on entend là maintenant. C'est quoi comme instrument? Un instrument à cordes posé à plat, un peu comme la sitar, mais pas tout à fait la même forme. D'accord. This is traditional Japanese music with koto and shamisen, cord instrument. Non, c'est pour ça que j'ai introduit le fait de l'ouvrir par ça, parce que j'ai vraiment envie de découvrir. Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir aussi. Hein. J'en avais assez de faire prendre l'avion et faire de la longue distance. Je me suis dit, je veux égoïstement décrocher un morceau du Japon et l'apporter à Paris. Mais en fait, vous avez fait acte de générosité, c'est l'opposé de l'égoïsme, puisqu'il y en a plein qui apprécient votre... Exactement, aujourd'hui je partage cette fois-ci. Vous avez décroché le Japon. C'est une crème chantilly au mascarpone, ouais. Que je parfume au poivre Sancho, et il y a du sésame blanc aussi dans la chantilly. D'accord. Et il y a un croquant d'amande, de spéculoos, de beurre salé. D'accord, voilà. Ok. Ah, je sais pas, c'est vraiment très original. Oui, hein. Je sais pas si je vous ai dit, mais il y a un truc qui m'amuse beaucoup dans ce restaurant. Oui. C'est ça. C'est, en fait, j'ai un chambellan un passionné et je m'assure. Je suis en train de manger tout le dessert pendant qu'elle est en train de pendant qu'elle est en train Cyril, de discuter. Ça là. Fait 20 ans qu'on se bat. Non. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Cyril. Cette jeune femme est très gourmande. Trop gourmande. Et en fait, ça a marché tout de suite. C'était, on a juste ouvert la porte un jour sans rien dire à personne, en voulant surtout faire une ouverture calme, parce qu'on n'avait pas d'expérience et on voulait que ce soit calme. Et malheureusement, mais en fait heureusement, on a eu un gros blog qui s'appelle Merci Alfred, qui a au bout de 2 jours a publié sur nous. Et on s'est retrouvé avec plus de 300 couverts au bout de 4 jours dans le restaurant. Alors personne n'était armé pour ça, et le restaurant était pas rodé, enfin bon. Voilà, c'était le baptême du feu, mais je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux finalement, parce que on a sur les chapeaux de roue. On a mis le pied à l'étrier, ouais. Bah, c'était fun. C'était épique. Bon, avant les nouilles, j'étais pilote de chasse. Ouais. Pilote de ligne à Oman et pilote ensuite en France. Ah ouais, d'accord, ok.
Génial. Pilote de chasse pendant 8 ans. Ouais. Ouais. Et le nom de votre avion, c'était un... Mirage 2000. Et alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé plus d'adrénaline dans la cuisine que dans le pilotage. Infiniment. Infiniment plus. Même plus que dans les avions. Il y a plus de stress, plus d'inattendu. Plus... Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le pilotage et la cuisine? Est-ce qu'il y a des décollages, des atterrissages? Oui, en fait, il y a, en tout cas, si on peut faire un parallèle avec l'aviation de chasse, c'est ouais. un truc qui est typique pour un pilote de chasse, c'est, c'est toujours le calme avant la tempête. Ouais. Parce qu'on fait une interception d'un ennemi, ouais. Il y a toujours un grand silence avant. Ouais. Et puis, il y a le contrôleur qui commence à vous donner les informations, ouais. qui devient de plus en plus proche, de plus en plus nerveuse. Ça monte progressivement. Et tout d'un coup, ça monte. Et puis, nous, on commence à monter le cœur bas parce qu'on sait que dans peu de temps après, on sera un objet. Et puis après, il y a le combat en lui-même. Et voilà. Et c'est vrai que toute la préparation le matin, elle ressemble un peu à ça. On est calme, on est concentré, puis d'un coup, il y a tout qui s'excite. Puis on ouvre le restaurant, et là, il y a le monde, et puis il faut qu'on passe. D'ailleurs, on dit le coup de feu, on dit. Exactement. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du Kamezumi. Ah. Ça veut dire la rivière de la tortue. C'est le nom de la rivière qui passe devant le lieu de production. Et il utilise l'eau de cette rivière pour faire ce saké. Et ce saké, il a la grande particularité d'être non pasteurisé, ce qui est très rare. Et donc, et c'est très fragile et ça nécessite beaucoup d'efforts pour le maintenir à bonne température du Japon jusqu'ici. Et ça permet de préserver les arômes et d'être plus intense et plus riche. Ce saké, c'est pas un saké sec comme on peut souvent goûter. C'est un saké qui est un petit peu sucré, qui est assez parfumé. Et je l'ai choisi parce qu'il se marie bien avec les ramen qui sont assez salés et gras. Voilà, donc je vous laisse. D'accord. Mais c'est une toute petite production. On a goûté ce saké de la tortue, comment La rivière de la tortue. So this is really special and delicate sake, and it's called Kamizumi, which means the river of the tortoise. And it's really fruity, and it goes well with the ramen. What's intéressant, c'est de goûter. Voilà, j'ai bu deux gorgées de sake, je suis déjà ivre. Bon, ben voilà, c'était un excellent moment. Le nom du restaurant, c'est quoi déjà? Kodawari Ramen. Ouais, donc l'attention portée au détail. Hein. Bon, super. Ben, à bientôt. Hein. Bye bye. Merci Jean-Baptiste. Au revoir. Bata. C'était bien. Ouais. Mais vraiment sympa. Ouais. C'est un personnage. C'est vrai, hein. Tu vois. Hein. Ce que disais, les restaurants, la cuisine, c'est vraiment plein de choses différentes. Hein. Oui. C'est pas simplement ce qu'on a dans l'assiette. Oui, hein. Oui. Hein, c'est oui. des histoires qu'il y a derrière. Ça va, absolument. Oh, ouais. Ouais, des aventures même. Des aventures, ouais. Is this the last time? Are we out of time? Is this the right time?